Attention, il y a un pied. Yes. Bonsoir, bonsoir. Eh bien, merci, on commence presque à l'heure. Merci d'être venu nous rejoindre dans cette salle du bicentenaire, malgré la température ambiante. Et, ou peut-être grâce à la température. En même temps, c'est pas climatisé, mais ça va, c'est quand même à peu près acceptable. Merci à toute la famille, une grande partie, même on peut dire quasiment toute la famille d'Éric Escoffier d'être autour de nous, et vous allez aussi pouvoir avoir leur témoignage tout à l'heure. Nous avons avec Jean-Michel Asselin, que je ne présente pas à la plupart d'entre vous, mais aux autres je le présente, donc Jean-Michel Asselin. Journaliste de montagne depuis, on n'ose pas le dire, mais une bonne trentaine d'années, qui a écrit d'innombrables livres, de magnifiques biographies, et qui vient donc de publier, il y a deux mois maintenant, la biographie d'Éric Escoffier aux éditions Guérin, que je représente, parce que je m'occupe des éditions Guérin depuis quelques années, avec Marie-Christine, qui est également parmi nous, pas loin. Voilà. Cette soirée va se dérouler de la façon suivante. On va tout simplement évoquer le parcours d'Éric à l'aide des témoignages de ceux qui l'ont bien connu et de sa famille. Et on a la chance d'avoir avec nous Christophe Profil ce soir, ce qui est vraiment une joie pour nous. Et il va pouvoir bien évidemment évoquer leur relation, puis cette période très particulière du milieu des années 80
avec une phase de l'activisme assez étonnante, et dont tout le monde se souvient. Et nous aurons la projection d'un film, justement, pour illustrer cette partie. C'est le film de Jean Afanassiev, qui s'appelle Face Nord, qui avait été réalisé au moment où Christophe Profi était déjà parti dans la façon de Leiger pour faire la trilogie en hiver, et que Éric Escoffier a tenté de, peut-être pas de le rattraper, mais au moins de le rejoindre dans cette épreuve. Et le film avait été réalisé par Jean-Pierre Bailly, qui est un grand producteur de films de montagne. Je dis quoi ? Ah pardon, produit. Il avait été réalisé par Jean Afanassiev. Et il a été produit par Jean-Pierre Bailly, qui est également avec nous. Donc c'est vraiment plein de gens exceptionnels avec nous ce soir. Et pour commencer, hein, je pense qu'on s'était mis d'accord là-dessus avec Jean-Mi, une bonne façon de présenter la soirée et de rentrer finalement vraiment tout près du parcours d'Éric Escoffier, c'est de lire quelques lignes de l'introduction du livre. Et ces lignes vont être lues par Lorraine Afanassiev, qui travaille également aux éditions Blanc. Voilà. Ça marche pas ? Dans les années 80, l'alpinisme fait encore la une de Paris Match. S'y égrène une petite galerie de héros qui accumulent les exploits en montagne. Quelques figures s'imposent au fil des ans. Christophe Profi, Jean-Marc Boivin, Éric Escoffier. Pour le grand public qui a surtout retenu les noms de Maurice Herzog, vainqueur de l'Annapurna, Roger Frison-Roche, l'écrivain des Cimes, et au mieux René de Maison, ces jeunes hommes représentent la partie visible d'une nouvelle génération de grimpeurs ambitieux qui s'étoffent sérieusement. Le public apprécie ces funambules qui, à main nue, semblent s'arracher du vide, surmontant l'épreuve du froid, de la glace et des rochers. Perdus dans l'immensité des faces nord, ils incarnent un certain esprit d'aventure, de courage. Ils répondent aux besoins d'une société en maille de figures héroïques, gladiateurs des temps modernes. Leur arène conjugue beauté et défi, et sans que l'on comprenne exactement leur quête, ils répondent à ce besoin plus ou moins sain, du face-à-face avec une nature démesurée, brutale, hostile, où la mort les guette inexorablement. L'alpinisme impose une dramaturgie aussi prévisible qu'inéductable. Éric Escoffier n'a pas été fauché en plein boulevard. Il revenait des limbes, d'un accident de voiture qui lui avait laissé infirme, boiteux, épileptique. L'alpiniste brillant qu'il avait été n'existait plus, mais lui n'y croyait pas. Il n'a jamais cru à sa déchéance physique. Comment a-t-il pu se retrouver hémiplégique sur les pentes d'un sommet de plus de 8 mètres au Pakistan ? Comment cet alpiniste lucide, immensément doué, n'a-t-il pas su s'inventer un autre avenir ? Le voulait-il ? Le pouvait-il ? En remontant le cours d'une vie tout entière consacrée à la recherche de la perfection, à incarner le combattant qui n'abdicte jamais, j'ai tenté de comprendre ce qui bâtissait une passion, la rendait inaltérable, inévitable. Éric, après un accident qu'il avait brisé, ne voulait pas renoncer. Il affirmait « Je ne suis pas mort ». Cette affirmation têtue a-t-elle tué ? Le regard des autres, le miroir qui nous rend autrui, peuvent-ils être mortels ? Ou n'être qu'une injonction à vivre debout, envers et contre tout ? Merci. Merci. Alors forcément, avant de faire venir les premiers invités, la première question et destination de Jean-Michel Asselin. Pour toi, Jean-Michel, c'est qu'on en a beaucoup parlé quand on a lancé l'idée du livre. Éric, c'était qui ? Ah. Alors Éric, ça fait partie des gens que j'ai suivis comme ça, parce que j'étais journaliste, hein, journaliste de montagne, donc je travaillais à l'époque, je ne sais plus si c'était Alpine Rondo, Montagne Magazine Vertical, je les ai tous faits. Donc je ne sais plus très bien, à cette époque-là, c'était Montagne Magazine. Et donc c'était comme ça, j'avais cette chance incroyable de côtoyer ce qui pour moi était quand même des figures héroïques. Donc de temps à autre, je croisais Christophe Profi, Patrick Eblinger, Patrick Perrault, bref, tout un tas de gens qui représentaient, bien sûr, ce que moi je n'étais pas, puisque je n'étais qu'un scribe, un journaliste, mais c'était extraordinaire. Donc ces gens-là, c'était d'abord pour moi une fascination. Je trouvais qu'il remplissait dans ce monde que nous vivons tous
quelque chose qui s'appelle de la poésie, mais pas de la poésie, comment dire, c'est pas de la poésie en écriture, c'est de la poésie en vivant. Voilà, leur vie pour moi était extrêmement poétique. Ils faisaient des choses qui me faisaient rêver dans la nature, qui me faisaient frissonner, qui me faisaient peur, qui me faisaient croire que ces gens-là étaient totalement invincibles, totalement merveilleux. Voilà, c'était des êtres merveilleux. J'ai eu la chance de les côtoyer. Et ça, c'était ma merveille à moi. C'était cette opportunité, cette chance qui m'était donnée, finalement, dans mon travail. Non, c'est pas tout le monde qui a des boulots où quand tu vas au boulot le matin, tu te dis « Ah, putain, j'ai du bol, quoi. » C'est vraiment merveilleux. Je m'amuse. Je m'amuse parce que je rencontre des gens formidables. Et moi, ma vie de journaliste, ça a été que ça. J'ai pas fait du journalisme politique, j'en ai fait il y a très longtemps. J'ai pas toujours rencontré des gens merveilleux. Quand j'ai fait du journalisme spécialisé en montagne, je n'ai rencontré, et ça je peux le dire, que des gens merveilleux. Alors merci à vous, quoi. Donc retour sur le parcours d'un de ces hommes, Eric Escoffier. Et alors pour évoquer son enfance, nous avons avec nous son frère, Rémi, qui est là juste devant. Là, Rémi, tu peux venir nous rejoindre. Et alors nous avons aussi sa maman, Josette. Je ne sais pas si vous êtes d'accord pour venir parler un petit peu d'Eric. Bon, c'est comme vous voulez, hein. Si vous voulez venir nous rejoindre, vous êtes la bienvenue. Bon, en tout cas, on est très heureux que vous soyez là, présent. On va peut-être enlever l'image derrière pour gêner un peu la vision. Alors, c'est bon, là. Alors, première question déjà. Dans la famille Escoffier, il y a trois frères. Comment situe Eric et quelle est un petit peu la... Qu'est-ce que ça détermine par rapport à votre relation, à votre fraternité? C'est bien ça, Alex, c'est l'aîné, c'était le chef un petit peu de la tribu. Et en fait, donc moi je suis juste derrière un an plus tard, et Vincent, 2 ans derrière moi. Donc avec Eric, on est toujours été très proches pendant l'enfance, l'adolescence, on a été élevés vraiment près du jumeau. Eric, pour moi, ça a été vraiment le grand frère, le guide, le protecteur, le confident. Et voilà, on a partagé beaucoup de choses ensemble, que ce soit en montagne, que ce soit de partout en vacances. On a eu la chance d'avoir des parents exceptionnels, qui ont fait découvrir la montagne, le ski. Et du coup, voilà, on a pu pratiquer toutes ces activités vraiment. Derrière toi, il y a une photo d'ailleurs, on vous voit tous les deux. C'était où? C'était les vacances à la Clusa. Là, tu me prends de cours. Je connais bien Eric, je me reconnais bien, mais ça va où la paroi. C'est au bord de la mer, parce qu'on allait aussi au bord de la mer quelques fois. Qu'est-ce que c'était la relation que vous aviez avec la montagne dès le début? C'était quelque chose. C'était suivre les parents ou c'était au-delà En fait. Au début, donc c'est nos parents qui nous ont fait découvrir la montagne. On faisait beaucoup de sport, gymnastique, athlétisme, natation. Donc on avait une très bonne condition physique. Et très jeune, on s'est rendu compte que quand on lisait les topos, les sentiers de course de la Castora du Fac, on s'apercevait qu'en fait on allait très vite et on ne voyait pas trop de difficultés. Donc progressivement, on a contourné les pages et on avançait comme ça. On ne prenait pas trop de buts, en fait, tout nous paraissait assez facile. On a pris comme ça, progressivement. On a pris quand même on a pris des risques aussi. Mais ça s'est toujours bien terminé. Voilà, j'ai des souvenirs assez forts encore de moments partagés avec Eric en montagne, sur le bois. Dans son texte, Jean-Mi raconte quelques bombées assez spectaculaires. Bon. Vous arrivez en direct de Lyon, faites des ascensions, on va dire, de certains niveaux et repartez dans la foulée pour être à l'heure, soit pour les études, soit pour le boulot. C'est ça, en fait, on avait entre justement le plus âge, mais c'était 17, 18 ans. Eric devait avoir 18 ans puisqu'il conduisait, c'était une 2 chevaux. On partait de Lyon, les 2 chevaux déchargés, il y avait les skis, il y avait tout le matériel, il fallait par terre, alors on ne sait pas, il n'y avait pas l'autoroute.
On arrivait ici ou ailleurs, d'ailleurs, on était en refuge, aussi, et on ne s'arrêtait même pas, on faisait notre voie et on redescendait. Et là, on prenait la voiture et on rentrait. Et on était d'ailleurs en cours. Presque. Presque. Et le problème de la gymnastique, comment ça s'inscrit là-dedans? Parce que Eric, il a d'abord une grande culture de gymnaste. En fait, oui, à un moment, je pense qu'il a pensé faire de la gymnastique à haut niveau. Et puis, il a eu un accident, une fracture du scaphoïde qui ne s'est pas, je pense, cicatrisé correctement. Et en fait, on lui a dit que pour lui, la gymnastique, c'était terminé. Donc à partir de là, il a vraiment, il s'est mis à fond dans l'escalade, dans la montagne, en appliquant justement ce qu'il avait appris dans l'entraînement de haut niveau en gymnastique. Il refaisait la même chose, dans l'escalade, très polyvalent en plus, il faisait de la falaise, il faisait de la montagne, il allait en expédition, et il arrivait à être performant dans tous les domaines. Quoi. Comment ça s'est passé la rencontre avec, je pense que ça a été quand même un peu déterminant, avec ce qu'on appelait la bande des Lyonnais, c'est-à-dire ces gens qui s'entraînaient sur les quais du Rhône, de la Saône, je ne sais pas, et qui fréquentaient les falaises de près, bien d'autres falaises, c'était quand même des personnages. Ouais, c'est des personnages, le grand chef de la bande des Lyonnais, c'est Bruno Farah. Ouais. Et en fait, quand on était lycéens, on avait un appartement sur Lyon avec Eric et puis Laurence. Et le soir, donc tous les soirs après les cours, on allait s'entraîner sur les quais du Rhône, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de structure artificielle d'escalade. Donc pour s'entraîner à grimper, on allait sur les quais du Rhône qui fassent moins 10 ou qui fassent 30 degrés, on était tous les soirs, on allait nous traverser sur les quais du Rhône. Et là donc on a rencontré la bande des Lyonnais, Farah en particulier. Et je me rappelle très bien que la première fois qu'il nous a vus, il nous a pris pour du mythomane en fait. Parce que on lui avait raconté un petit peu ce qu'on avait fait pendant l'été ou pendant l'hiver, je ne me souviens pas. Et il ne nous croyait pas. Il pensait qu'on était un peu fou, quoi. Et que voilà, on était mythomane pour raconter n'importe quoi. Et puis, bon, il a appris à nous connaître progressivement. Et il s'est rendu compte que voilà, qu'on racontait pas que des conneries. Il y avait certaines choses qui étaient vraies. Alors, une question quand même, c'est vrai que vous êtes tous les deux bon, physiquement assez différents, parce que grand costaud, Eric était plus menu et lui est passé par la gym, bon, ce qui explique aussi peut-être qu'il a eu ce développement physique. Et toi, t'es pas passé par la compétition de haut niveau et du coup, bah, t'es devenu guide. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien dans vos personnalités comme ça, finalement dans vos destins, lié à la compétition ou pas? Oui, bah, j'ai fait beaucoup de sport, j'ai pas fait de la gym à haut niveau, mais j'ai fait beaucoup d'activités à haut niveau, du sport co à haut niveau. Après, moi, le guide, c'est vraiment. J'avais jamais envisagé de devenir guide. À un moment, j'ai carrément même arrêté d'aller en montagne. Quand Eric a vraiment décidé de franchir le pas et de vivre de ça, j'avais un petit peu perdu mon copain de camarade de cordée. Donc du coup, j'ai arrêté un petit peu de grimper en montagne. Je faisais beaucoup de falaises, mais c'est tout. Et puis, Eric s'investissant un petit peu au niveau de la Fédé, de la création des équipes au niveau jeune, et puis, il m'a dit, ben, profite. Tiens, il y aura des gens motivés avec qui tu pourras grimper. Et c'est comme ça que j'ai renoué avec la montagne, en fait. Et après, naturellement, j'ai continué sur le guide. Mais c'est, oui, grâce à Eric que j'ai repris la montagne aussi. Et justement, quand il a commencé à faire des choses, cette fois hors nord, en montagne, quelle était, toi, ta perception de le voir comme ça à la fois grandir dans les médias, grandir dans l'exploit. En fait, à cette période-là, moi, je n'allais plus en montagne, donc alors, je voyais ça d'un petit peu loin. Je pense qu'il y a des personnes ici, peut-être, qui pourront en parler plus, qui étaient plus proches de lui à ce moment-là. Moi, j'étais conscient de la prise de risque que ça représentait. Après, l'accident de voiture, par exemple, moi, je ne l'occupe pas forcément comme quelque chose, c'est dramatique bien sûr, mais aussi peut-être que s'il a été vivant, voilà, c'est aussi peut-être grâce à ça, parce que je pense que la prise de risque était tellement énorme que si on ne s'arrête pas, forcément à un moment ou à un autre, on peut avoir un accident très grave et rester. Quoi. Oui, il le dit d'ailleurs, à un moment, il dit si j'avais pas eu ça, on ne sait pas où ça allait mener. Quoi. Alors pour parler, alors Rémi, je ne sais pas, peut-être tu reviendras après nous parler de d'autres moments du parcours d'Éric,
Mais là, on voulait aborder le moment escalade et Verdon, et ce moment où Eric s'est aussi énormément progressé, en fait, a suivi ce mouvement de progression la progression de l'escalade libre au début des années 80, avec les étapes du 8 qui ont été franchies très vite. On a avec nous Françoise Lepron, qui est là, qui va pouvoir venir nous rejoindre. Et tu peux. Et tu peux. Et Laurence Le Tortue, qui était la première épouse d'Eric et qui a bien connu aussi cette époque. Merci beaucoup Rémi, qui reviendra nous voir tout à l'heure. Merci. Alors on en profite pour regarder quelques photos d'Eric au Verdon qui ont été prises par Robert Exertier, qui était un compagnon de cordée et photographe. Et tu vas pas y échapper, il y a quelques photos de toi aussi, François. Il y a gaffe dans le dos. Alors, Soupinette, on l'avait évoqué cette période déjà lorsqu'on a fait la soirée à Grenoble. Et tu avais eu un peu des détails étonnants sur la façon dont Eric menait sa vie de grimpeur à l'époque. C'était quand même un peu hors norme, là, déjà. Oui, parce que comme l'a dit Rémi, en fait, le fait de venir d'un milieu sportif, ça change tout, quoi. C'est-à-dire que le matin, il se levait en caouet, hop, il allait courir, mais sous le caouet, il y avait quand même un espèce de collant un peu chaud pour bien transpirer. Après, il y avait l'escalade, il court quand même, parce qu'il allait en courant. C'est du reps, hein. C'est du reps, je crois, je peux vraiment dire. Après, il y avait les séries de traction lestées plus ou moins, les séances d'étirement avec la glace plus un miroir lesté avec l'encyclopédie de la montagne à l'époque qui était en 20 volumes ou je sais pas quoi, enfin bon bref, et ça arrêtait pas quoi. Donc c'est vrai que c'était de ce qu'on connaissait, c'était un petit peu hors norme. Bon, il y avait les deux Patrick, mais on savait pas trop ce qu'ils faisaient, voilà. Ben, c'est vrai que ça sortait, voilà, on avait affaire à quelqu'un qui il y avait une culture sportive, quoi. Et ça, c'était quand même quelque chose de très nouveau. Il y avait un peu les deux Patrick qui avaient mis ça, Patrick Perrault, Patrick Edlager, qui avaient mis ça en place, peut-être suite au 7e degré de Reynold Messner, qui parlait d'entraînement, qui était une chose dont on ne disait rien avant, quoi. Mais là, lui venant de la gym, venant de la rigueur de cette discipline, rentrait également dans le jeu. Et du coup, est-ce qu'il était doué en escalade? Parce qu'il passe du 8A quand même. Bon, ça, c'est difficile à dire. La seule chose que je me souviens, c'est que moi, je suis assez pointilleuse sur certaines choses. Il avait une pose de pied qui était quand même assez remarquable, avec un bout de pied, parce qu'à l'époque, les grimpeurs, ils mettaient bien les pieds un peu n'importe où quand même, hein, faut bien reconnaître. Et puis après, je pense que ben, voilà, quand on s'entraîne, au bout d'un moment, si on n'a pas des résultats, faut arrêter, quoi. Quelque part, c'est un peu logique aussi, la motivation et tout ce qui va ensuite. Et avec une organisation, je pense, d'entraînement qui n'était pas spécifique spécialement à l'escalade, parce qu'avec moi, c'était quand même des grosses tractions, hein, faut dire. Mais je crois que les Béraud et les Dlinger, dans le virage, si je me trompe, tu diras, dans le virage de l'Étron Sublime, après à grimper, et les Béraud à faire je ne sais pas combien de centaines de... De mettre d'escalade, ils faisaient, je crois qu'ils en étaient à 1000 tractions dans la journée ou un truc comme ça, quoi. Je veux dire, ils faisaient des séries de assez rapides. 1000 tractions dans la journée, effectivement. Ouais, je pense. Et puis il y avait ce côté aussi, après, qui a peut-être servi à pas mal de choses, c'est les fameux carnets d'entraînement. Ah oui. Parce qu'en gym, y a un entraîneur qui vous dit, bon, je suis bien passé parce que je suis entraîneur de GRS avec des ballons, des cerceaux, des machins. Les gamines ont toutes. Les gymnastes ont tout un cahier en disant voilà, ben, il faut faire ça, machin, tout ça, hop, c'est vérifié, tout ça, et ça, le cahier, c'était quand même, je pense, un petit peu nouveau. Ah oui, c'est étonnant. Après, je ne sais pas Rémi, mais le top des carnets, ça a été Vincent, oui. Souligné en rouge, aujourd'hui, le vert et le vert, machin, tout ça, j'ai fait ça. Ouais. C'était remarquable. Oui, un petit peu ça chez Eric, quand même. Oui, oui, oui. On sent qu'il note tout ce qu'il fait, y compris les siestes, etc. Laurence, c'est difficile de vivre avec quelqu'un qui a une telle passion, parce que toi, tu es plutôt du milieu de la danse, ouais. Et donc l'escalade. Fait, moi, j'ai rencontré les thèmes dans une école spécifique pour le sport, donc je suis tombée amoureuse de lui comme ça. Moi, je dirais après, ça a évolué et j'ai suivi.
Mais pour moi, c'était quelqu'un de normal, puisque je vivais tout le temps avec lui. À part que je ne pouvais pas rentrer dans la pièce parce qu'il était en train de faire des tractions, ou parce que d'un coup, il prenait sa douche chaud, il partait à fond la caisse. Voilà, donc c'était. Mais pour moi, c'était quelqu'un de normal, puisque j'ai vécu tout le temps avec lui. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai que tous les deux, on était sportifs et qu'on avait quand même une hygiène de vie. Il était souple, il y avait tout ça. Donc. Et à cette époque-là, parce que là on parle escalade, voilà, c'est Françoise. Françoise Le Front. On en a d'autres, t'as rien. Et donc à cette époque, on parle escalade, mais il est quand même, comme le disait Rémi, il pratique la montagne à un très haut niveau aussi, et il fait des allers-retours. Et c'est l'époque où on a tendance à vouloir présenter l'escalade comme une activité sportive à part entière, avec de plus en plus de grimpeurs qui ne sont pas des montagnards mais des purs grimpeurs. Lui, il a toujours maintenu l'équilibre entre les deux activités. Il n'a jamais lâché la montagne pour l'escalade. Non, puis tous les étés, il était à Chamonix, avec Rémi, il n'arrêtait pas. Il était tout le temps en montagne. Il adorait ça, je crois qu'il était éclectique. Hein. Voilà, on en arrive. Comme ça. Merci beaucoup d'avoir évoqué cette période avec nous. Excusez-moi. Merci, merci, on peut vous applaudir. Alors là, je vous demande un tout petit peu d'indulgence parce que j'ai un petit souci technique, mais ça va s'arranger très très vite. C'est à ce moment-là qu'on va regarder le film de Jean Afanassiev, qui va nous plonger justement dans cet univers des années 80 et de cette fameuse trilogie. Donc, dans quelques secondes. Non, mais non, mais bon. Si, voilà. C'est parti. On va éteindre les lumières et lancer ça. Escoffier, poser cette question à Chamonix, c'est vous attirer à coup sûr des haussements d'épaules, des sourires narquois ou des réponses genre « Escoffier, bon, il est un peu fou ». Et oui, ce Lyonnais de 27 ans dérange. Pensez donc, il touche à tout, pilote comme ici aux 24 heures sur glace, saute en delta, en parapente et crime des crimes, s'amuse avec la montagne en lançant des défis insensés, apparemment comme ça, sans réfléchir, et aussi sans se préparer sérieusement. Parfois, il réussit, souvent, il se plante. Tenez, son dernier truc, tenter sans repérage préalable l'enchaînement des trois faces nord les plus célèbres des Alpes, les Guerres, le Cervin et les Grandes Jorasses. Une folie. Aucune paroi n'ayant échappé aux piolets, aux crampons de toutes sortes, de jeunes alpinistes frustrés de première se sont inventés leur conquête de l'inutile, l'aventure des records, c'est-à-dire la tentative d'enchaînement invraisemblable en un minimum de temps. À la tête de cette nouvelle espèce de conquérants, Jean-Marc Boivin, Christophe Profi et Éric Escoffier. Profi et Escoffier, qui au début 87, à quelques heures d'intervalle, ont essayé de réussir la trilogie Eger-Servin-Grande Jorasse. C'est le 11 mars à minuit qu'Escoffier part à l'attaque de l'Eger. Hélas, comme il ignore tout de sa face nord, il progresse à l'aveuglette et malgré la pleine lune, ne trouve pas sa voie. Sagement, il abandonne et redescend au refuge. C'est là que nous l'avons surpris le jeudi 12 mars, à l'instant de son réveil. Il est 22h et malgré sa récente déconvenue, Escoffier est décontracté. C'est une permanence de son caractère, rien ne semble avoir d'influence sur lui. Pour ses détracteurs,
cette indifférence apparente est un des signes de son manque de sérieux. En revanche, son équipement, bien que réduit au strict minimum, fait l'unanimité des spécialistes. Dans le sac à dos, 20 mètres de corde pour s'auto-assurer dans les passages très délicats, une lampe frontale, 5 mousquetons, un talkie-walkie, une paire de crampons, et côté ravitaillement, encore plus 5, 5 barres de chocolat et une boîte de boissons énergétiques. En temps normal, Escoffier ne resterait pas à l'écart, il apprécierait cette ambiance. D'ailleurs, à Cham, où il réside une bonne partie de l'année, il joue volontiers des prolongations avec ses amis tard le soir. Liger, paroi mythique à la réputation exécrable. Depuis 1935 et la première tentative d'ascension, plus de 30 hommes y ont laissé leur vie. Liger, vaincu le 24 août 1938 après 4 jours d'efforts par une cordée allemande et autrichienne. Liger, austère, hostile, imprévisible. Liger, qui pour Escoffier, contrairement à tous ceux qui l'ont précédé, n'est pas une finalité en soi, mais une étape. Après, il y aura le Cervin et puis encore après, les Grandes Jorasses. Au début de l'escalade, Escoffier est gagné par l'émotion. Le passé de Liger trouble son esprit. Il a beau lutter pour se contrôler, l'angoisse le tient. Heureusement, pris par l'action, il finit par tout oublier. Il n'a plus qu'une obsession, gagner. Oui, il doit gagner. Se battre, ne pas fléchir. Être le plus fort, le plus fort. Malgré cette détermination, il se perd à nouveau. Et ce n'est qu'à l'aube qu'il peut enfin trouver le bon itinéraire. Cette fois, il fonce et avale les difficultés. La fissure, difficile. La traversée Intersteusser, puis le premier névé, le deuxième névé et ses 300 mètres de glace dure. Par moment, Escoffier pense brièvement à Profit. Profit qui doit se trouver là, un peu plus. À la petite Scheidegg, base de toutes les tentatives, la vie s'écoule tranquillement, comme à l'habitude. On se laisse glisser sur les pistes en étant persuadé d'être un caïd de l'effort physique. Mais on ignore l'exploit, le véritable exploit, celui d'Escoffier. De la mort. Comment tu te sens à cet endroit bien précis de la face? J'aimerais bien qu'il y ait un peu moins de neige pour voir dessous, mais d'après tout ce que j'ai lu, il devrait bien y en avoir des morts là. 11h du matin, Escoffier est aux deux tiers de la face et 300 mètres plus haut. Christophe Profit est au milieu de l'araignée. Christophe est au-dessus, c'est un peu une compétition entre vous deux. Il a fait les Grandes Jorasses. Il va arriver au sommet d'ici 3-4 heures ou 2 heures, après il part au Cervin. Qu'est-ce que tu penses un peu de cette compétition? C'est motivant, mais c'est pas la compétition au sens péjoratif. Enfin, en tout cas pour moi, il n'y a pas de haine là-dedans, c'est purement amical. Et puis, si moi j'y arrive pas, tant pis, si lui y arrive, tant mieux. C'est Jean Afanassieff qui a apostrophé Escoffier. Afanassieff, premier Français au sommet de l'Everest, qui a fait Liger avec son frère et qui ici réalise ce film. Jean est déposé avec sa preneuse de son à différents points stratégiques qu'il a choisis. Et pour Escoffier, cette présence, loin d'être un atout stimulateur, est plutôt un handicap. L'hélicoptère perturbe sa concentration et crée des turbulences. Mais l'aventure moderne est à ce prix.
Tâche toujours délicate pour les pilotes. Troyer en pleine paroi n'est pas facile. Et émotion garantie pour Afanassiev. Première alerte pour Escoffier. Après l'euphorie du début, c'est le temps des douleurs. La rampe, passage clé, est enneigée. Escoffier doit dégager le passage à coups de piolet. Les prises rondes ne tiennent pas sous la main. Les crampons ne mordent pas la fine couche et butent sur le rocher. Il est contraint de sortir la corde du sac pour s'auto-assurer. Afanassiev ne quitte pas sa proie. Pour lui, l'image d'abord. Il sait par expérience, pour avoir vécu des situations extrêmes en solitaire, que l'alpiniste d'aujourd'hui est condamné à une forme d'exhibitionnisme. Plus question de tenter l'exploit seul dans son coin et de le proclamer ensuite. La caméra est l'indispensable témoin. La rampe toujours. Escoffier ne s'en sort pas. Impossible de bien assurer ses prises. Les ressauts rocheux, verrouillés par des bouchons de glace, sont insaisissables. Il tâtonne, il perd du temps, mais ne se décourage pas. Il doit se battre, et il aime ça. Le temps file, et il met plus de 2 heures pour franchir quelques mètres. Et puis, c'est la traversée des dieux, l'un des lieux les plus fous de tous les sommets du monde, un surplomb de calcaire sur 1500 mètres de vide. Ici, la roche est pourrie. Il est impossible de s'auto-assurer. Nouvel obstacle avec l'araignée et sa grande pente de glace. Escoffier, sentant le sommet à sa portée, oublie sa fatigue et repart de plus belle. Comme emporté par son élan, il se perd un peu dans les fissures de l'arête sommitale, arête qu'il atteint à 17 heures.
Une demi-heure plus tard, il est au sommet. Un peu plus de 17 heures lui ont été nécessaires pour vaincre l'ailleurs. Hélas, une victoire pour rien, Christophe Profi, parti 24 heures plus tôt que lui, est déjà en train de terminer la face nord du Cervin, troisième sommet de sa trilogie. Profi est donc le premier à avoir réussi en hiver l'enchaînement Grande Jorasse, Eiger, Cervin. Quand il apprend cette nouvelle, Escoffier décide de continuer, non plus pour un record, mais pour le plaisir. Zermatt, samedi 14, 8h du matin. Escoffier rêve du Cervin, Afanassiev est inquiet. Michel, qu'est-ce qui se passe alors là? Eh bien, on va voir le temps qu'il fait à pied du Cervin. Et puis, je dois faire un vol de reconnaissance pour voir s'il n'a pas trop neigé cette nuit. Et puis, Eric prendra une décision pour voir s'il peut y aller ou pas. Les skis, tu dis qu'ils sont où? À Stade Machin, là. Côté du tunnel. De tunnel. Ouais. On a d'autres paires de skis ici, genre, non? Ouais, oui, il y en a. Ouais. Et toi, Eric, t'en penses quoi? Non, il faut aller voir de toute façon. Si c'est beau, tu tentes. Ouais. Mm-hmm. Bon, allez, alors action, on y va. Allez. Yes, sir. Avec la météo pourrie, il faut agir vite, alors Escoffier gagne le refuge du Hornli en hélico. Il a neigé toute la nuit et la face nord du Cervin est entièrement plâtrée. Comme pour l'Eiger, Escoffier ignore tout de la face nord du Cervin qu'il va bientôt attaquer. Il avait refusé de les reconnaître auparavant. Pour justifier ce choix, il dit simplement « Je préfère le plaisir de la découverte. La pratique de la montagne varie selon de nombreux paramètres. Moi, j'ai envie d'improviser, c'est dans mon caractère. C'est là une différence essentielle entre Profi et moi. » Vous voyez que là, tu pars pour la face nord du Cervin. Ça te fait quoi là que Christophe ait réussi son truc? Tu la joues comment? Au contraire, c'est plus motivant. Mais là, le Cervin, c'est pas un problème. Il a neigé un petit peu, mais c'est pas gênant. Après, dans la Walker, ça risque d'être plus gênant. Mais pour le moment, on n'en est pas à la Walker. Donc là, je pense que je vais en avoir pour 6-7 heures, je sais pas, tout compris. Donc, mais là, ça va. Bon, le temps s'est dégagé, donc ça roule. Tu es optimiste? Ouais. Bon, là, pour la journée, tout va bien. Eh ben, à tout à l'heure. À tout à l'heure, avec bonne chance. Merci. Motivé et pressé par le temps, Escoffier gravit le premier tiers de la face à une allure étonnante. Tout va pour le mieux jusqu'à la rampe oblique. La rampe oblique. La neige tombée cette nuit est beaucoup trop importante. Il progresse au ralenti. Le froid, il fait moins 20 degrés, a tendance à engourdir ses membres. Il continue lentement, très lentement. À 18h, il est au niveau de la cabane Solvay, à 4000 mètres d'altitude. Encore 400 mètres à gravir, et la nuit qui est là. Au refuge du Hornli, c'est l'inquiétude. À la dernière question radio, Escoffier nous a dit qu'il était environ à l'altitude de la cabane Solvay, à 3900 mètres, donc encore très loin du sommet. Il ferait pratiquement moins 25 degrés.
Dans la face, il doit faire encore plus froid. Il n'a pas d'équipement de bivouac, il est parti avec une seule paire de gants, pas de réchaud, pas de duvet, pas de tente. Donc l'hélico vient maintenant pour qu'on aille voir ce qu'on peut faire pour lui. Voilà. Vous avez certainement 20 mètres de corde. Oui, 20, il est 20 mètres sur l'hélico. Hein. Ah ouais, d'accord. Jusqu'ici. Ouais. On peut pas. Ah, vous le treuillez jusqu'ici, vous l'amenez. Ouais. Ouf, dis donc. Escoffier refuse les secours. Fuck. Tu n'as pas contact avec lui, hein? Well, because now he's climbing quite maybe fast. He try and he has no time to have contact. Yeah, but you know what he thinks? Yeah. That he climbs up to the top and then we get him with the helicopter at night, but we don't. Yeah, I know that, I know. If he wants to come down with us now or tomorrow morning at 7 o'clock if the weather is good. So that's 12 hours minus 20 degrees. Yeah, I know. Nice and warm. What I can do. Yeah. And, fuck. Oh, il veut pas, hein. J'ai descendu la corde et puis il me dit non, non. Il veut continuer et puis il veut une... Ouais, nope, et puis c'est tout. Hein. Ouais, ce genre-là, qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, l'hélico est monté pour le treuiller, ils ont lancé la corde. Ouais. Il a dit qu'il voulait pas être treuillé, alors ouais. Bon, ça me semble assez absurde. On va retourner avec eux, je vais y aller. Ouais. Voir si je peux avoir un contact radio, et puis s'il veut vraiment pas revenir avec nous, eh ben, on va lui essayer de lui envoyer un sac avec du thé chaud et puis une veste un peu chaude parce que là, actuellement, il a rien pour tenir le coup, quoi. Ça, faut bien. Ouais, il avait encore, tiens là. Il disait qu'il avait encore un quart d'heure, c'est ça, pour intervenir? Bah là, le vol, il n'y a plus qu'un quart d'heure de possibilité parce que les gars, l'hélico, hein, c'est pas des mecs qui sont là pour venir constamment dans la face nord du Cervin jouer avec leurs bijoux. Hein. Là, il est un peu tard et eux, ils tiennent leur peau aussi, quoi. Hein. Allez, ça, c'est un peu le problème, quoi. Hein. C'est un peu délicat parce qu'en fait, à un certain stade, c'est ennuyeux, quoi. C'est ennuyeux. C'est délicat. Escoffier a cédé. Il a abandonné à 300 mètres du sommet. Et ce n'est pas la raison qu'il l'emportait, non. S'il a accepté le repli du secours, c'est tout simplement parce qu'il a laissé échapper l'un de ses deux piolets en réceptionnant le sac d'équipement qui aurait dû lui permettre de continuer son ascension de nuit. Et alors, maintenant? Maintenant? C'est que les pilotes n'étaient pas contents, là, parce que la première fois ils sont montés, c'était pour te chercher. Quand je t'ai eu la radio, moi, je t'ai dit, bon, bah, c'est trop tard maintenant, on peut plus attendre, ou on descend maintenant ou jamais. Ouais. Et sans mettre le bivouac, on devrait mal passer la nuit par moins 30. Ouais. Alors les pilotes sont montés pour aller te treuiller après. Ouais. Et pourquoi t'es pas allé avec eux alors? Bah, parce que je voulais une frontale. Mais au début, tu voulais pas une frontale, tu voulais venir avec nous. Ah non, non. Au début, je voulais sortir. Ah bon. Mais bon, c'est mal compris. Quand je te l'ai dit, toi? Ouais. Non, là, quand je te l'ai dit, je t'ai dit, bon, bah, ok, parce que je savais pas où j'étais, en fait. Ah, et ouais. Après, quand je suis arrivé à l'embranchement du couloir qui va sur Solvay, bon, bah, j'en avais pour peut-être une demi-heure à sortir là-haut. Il y avait le petit passage con au début, là, et puis après, le couloir, il est en neige tout le long. Un échec, certes, mais qui n'ébranle aucunement les certitudes d'Éric Escoffier. Et même, si la méthode rigoureuse de profit offre plus de garanties de succès, la sienne, fondée sur l'instinct, est un art de vivre qui ne se discute pas. Aussi, Escoffier n'a pas à tirer de conséquences.
Il a raté une trilogie, la belle affaire. Il pense déjà à une première himalayenne, la face sud du Lhotse. Et si c'était cela, le véritable esprit d'aventure? Qu'est-ce que ça te fait de revoir ces images avec ce commentaire un peu étonnant? C'est émouvant, c'est un peu bizarre de revoir tout ça. Hein. Il y a tellement d'années qui se sont passées, j'ai l'impression que je suis dans une autre vie. Et ouais, c'est beaucoup d'émotions. Pourtant, c'était hier. Hein. Et 28 ans, hein, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et non, c'est bien sûr, ça rappelle plein de choses. Plein de belles choses, plein de choses un peu moins bonnes. Ouais. Bref, c'était la vie, quoi. Ouais. Une vie intense, et c'était un grand moment de revoir. Je l'ai jamais vu en entier. Ouais. J'ai vu quelques images comme ça, mais de voir comme ça complètement. Ouais. Jean a fait un super boulot. Ouais, Jean a fait un super boulot, effectivement. Tu es un peu le héros absent de ce film-là, parce que c'est toi qui finalement va vivre pleinement ce challenge que tu vas réussir, les trois faces nord. Tu les avais déjà réussi en été, tu les réussis en hiver, à nouveau. Comment tu vivais cette histoire-là? Est-ce que c'est, comme le dit Christophe,
Alors, est-ce que c'est un langage politiquement correct quand il dit « Mais non, on était très copains, tout va bien, c'est amical, il n'y a pas de, de compétition. » Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il n'y en avait pas ? C'est ce que j'ai dit à l'instant, c'était, ça me rappelle les bonnes choses et les mauvaises choses. Ouais. Les bonnes choses, bon, ben, c'était le, tout ce qu'on a pu faire en étant en groupe. Il y avait aussi Tchouki qui était venu au groupe, donc ça, ça a été des belles choses. Et puis les moins bonnes choses, bon, ben, c'était une émulation, mais c'est vrai que moi, j'ai appris à connaître Eric plus tard. Je l'ai regretté finalement, mais ça s'est fait comme ça, on ne peut pas revenir en arrière. Donc forcément, à un moment donné, il y avait une émulation. Voilà, après, les choses se sont faites comme ça. Moi, j'admire la manière dont, s'est lancé dans cette trilogie, sans les connaître. J'avais beaucoup d'admiration pour Eric, son côté virtuose de la grimpe, que je n'avais absolument pas. Je me rappelle, mais lui, c'était à un autre niveau. Mais c'est vrai que enfin, cette compétition qui a été lancée comme ça, après, moi, je n'ai jamais souhaité. Donc, après, on ne va pas refaire l'histoire, mais ça vient aussi, c'est peut-être aussi à cause de nous, on ne s'est pas assez parlé. Mais je sais bien que lui, comme moi, on ne se dit pas... moi, en réalité, ça, en voyant ce film, parce que c'est la première fois que je l'ai vu, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu dans la face, qui pour moi était un peu effrayant. Quand je me suis retrouvé, j'étais au niveau de la rampe, et là je progressais, et je ne savais absolument pas qu'Eric était derrière. Je savais qu'il y avait son idée, mais vraiment je ne savais absolument pas. Et j'ai entendu des coups de piolet qui résonnaient. Je me suis dit, c'est bizarre. Et je regarde plus bas, et je le vois bien plus bas, je le vois entre le premier et le deuxième niveau. Et ça, c'est, je trouvais ça effrayant. C'est une image, voilà. Mmh. On ne l'a pas souhaité, moi je ne l'ai pas souhaité, mais on sait comme ça. Mais maintenant, c'est la vie. À ce moment-là, dans un piège médiatique ou autre, c'était quoi ça? Mais je pense que c'est tous les deux, ce n'est pas ce qu'on souhaitait non plus. Lui aussi, il avait une très belle façon de voir la montagne. On était tous les deux passionnés de montagne. Peut-être qu'on s'est fait un peu embarquer par tout ça. Mais bon, c'est aussi, je pense, ce qui nous a permis d'aller aussi loin tous les deux. Et finalement, je pense que quand on fait des choses, c'est impossible de faire les choses parfaitement. Il y a toujours des petits trucs qui ne vont pas. Il y a d'autres choses que je regrette dans ma trilogie, bien sûr. C'est quand je suis arrivé après 19 heures d'ascension, 9 heures du matin, au sommet de la gueule, je pense que j'avais porté mon parapente dans le sac. Je pense que si j'avais décollé, je me serais sans doute tué. Et là, j'ai accepté de redescendre en hélico. Alors bien sûr, pour moi, c'est aussi une blessure. J'aurais préféré le faire sans. Alors c'est parfois marrant de lire les commentaires de certains en définitive pour un petit peu se blinder sur tout ça. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on essaie de faire les choses. C'est comme quand Patrick a disparu, par exemple. Il y a eu des commentaires en disant « Non, il a fait un truc fabuleux, point barre. » Il n'y a rien à dire sur ce qui a pu se passer, absolument rien à dire. Et donc, on est tous conscients qu'on peut faire des erreurs. Tout le monde, quoi. Et c'est aussi la vie, quoi. Une dernière question, pourquoi on fait ces choses-là? Pourquoi à un moment donné dans sa vie, quand on est jeune, quand on a de l'énergie, quand on a toutes ces qualités, on se dit, tiens, je vais faire quelque chose où il y a quand même de l'incertitude. Il y a du risque, c'est évident, il y a de l'incertitude, et pourtant on y va. Alors bien sûr, je pense que c'est pas que la passion, parce que ni le plaisir, en réalité, il y a beaucoup de moments qui sont difficiles dans ces ascensions, on en chie vraiment. Je pense que c'est peut-être pour se prouver qu'on existe, qu'on a besoin de faire quelque chose d'exceptionnel, d'aller au-delà de ses limites, d'essayer de les toucher. On essaie par tous les moyens, et c'est d'ailleurs ce qui fait que, enfin, moi je parle pour mon cas, quand on est dans cette situation, on essaie de faire une chose, d'aller un peu toucher ses limites. Dans sa vie de tous les jours, parfois, on peut en devenir un petit peu égoïste. On est complètement obsédé par ce projet. Alors, c'est pas... Et donc, parfois, c'est difficile à vivre. Pour les autres et pour nous. Parce qu'on est dedans, parce qu'on n'a qu'un seul objectif, c'est de revenir vivant. Il y a toujours ce risque dans tous les sports. Là, un risque de chute, on voyait les images d'Eric, qui demandait s'il fait une erreur, il est en bas. Donc, je ne sais pas comment lui l'a vécu, moi, ça fait partie des mauvaises choses, ça a été difficile. Peut-être qu'il aurait fallu que je le fasse autrement.
mais j'ai essayé de me mettre dans une bulle pour donc ça a ses bons côtés mais c'est aussi ses mauvais côtés. Christophe, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'esprit des trilogies? Qu'est-ce qui reste dans l'alpinisme actuel? Qu'est-ce qui reste de cet esprit que vous avez mis en place à cette époque entre Jean-Marc Boivin, toi, Eric Escoffier, qui était quand même un moment très particulier de l'histoire de l'alpinisme? C'était une sorte de parenthèse. Ça faisait partie de l'alpinisme. Maintenant, il y a encore des choses encore plus folles qui se font. L'aventure est encore là, vraiment présente, quoi. Il y a plein de jeunes qui sont passionnés, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils le font peut-être, différemment et peut-être le niveau a énormément monté, quoi, on le voit, quoi. Mais on ne peut plus revivre ce qu'on a vécu là, sur ces années-là. Mais je dirais qu'ils le vivent autrement, d'une très belle manière, que j'admire énormément. Mais je pense que voilà, quoi, c'est l'alpinisme est une histoire. À un moment donné, chaque personne souhaite faire quelque chose. Et puis, c'est important de laisser faire avec les bonnes choses, les moins bonnes choses. Jean-Pierre, toi, donc, tu es producteur de cinéma. Tu as produit énormément de films d'aventure, de films de montagne et d'autres. Entre autres, tu as beaucoup produit les films de Jean Afanassieff. Quand on venait te proposer des choses comme celle-ci, en tant que producteur, tu disais immédiatement « c'est bon, je signe » ou tu leur disais « c'est quoi encore cette histoire de fou ?» C'est un peu ça. En fait, avant de produire Fastenor, j'avais produit un film avec Jean-Marc Boivin, L'Oiseau rare, Le Charbon 2 en Delta, Christophe, avec Christophe Profi. On avait produit un film avec Béraud, j'ai oublié le titre, mais... Et tu les as tous vus, hein? Oui, il y avait Papy Paul de Jean-Louis Etienne, j'en ai dit quelques-uns, Pierre Bégin, le troisième pôle en 86. Mm-hmm. Et donc, Escoffier, un jour ou l'autre, me laisse croiser. Et c'est Jean qui m'a dit, bah voilà, il y a cette trilogie qui se profile à l'horizon, et est-ce que tu es d'accord? Je lui ai dit, bah oui, on va voir. Sauf que Christophe Profi préparait très sérieusement la sienne, avait embarqué Antenne 2 à l'époque dans l'histoire, mais à l'époque il y avait moins de chaînes de télé qu'aujourd'hui. Il y en avait trois. Oui, il y en avait trois. Et il y avait Canal Plus qui démarrait. Bref, lui il avait sa production, son financement, et nous on n'avait rien, improvisation un peu totale. En février, j'ai retrouvé le vieux dossier d'il y a 28 ans. On l'appelait Trilogie. Son film s'est appelé Trilogie. Trois et même seul. Et on abandonne. Là-dessus, on s'aperçoit que Eric peut continuer, lui il était prêt dans sa tête. Prêt physiquement, enfin on l'a vu, alors que nous pas du tout. À tel point que le 10 mars, le mardi 10 mars, avec Jean, on est au SIG, et Christophe est prêt à partir, est en train de partir. Eric avait déjà plus ou moins commencé une tentative, on l'a vu dans le film, et Jean me dit dans le stand Millet que Jean-Pierre, il faut qu'on le fasse ce film, j'ai pas un rond et rien, on a juste une petite aide de Millet au passage, qui avait misé sur les deux chevaux. À la fois toi et Eric Escoffier étaient sûrs de gagner. Donc on avait un peu d'argent de la société Millet, c'est déjà pas mal. Et Jean me dit, il me regarde à 5h de l'après-midi, il me dit « Est-ce que tu as de la pellicule au bureau ?» J'étais à Grenoble à l'époque. « Oui, j'en ai plein. » Il dit « Bah écoute, on embarque la pellicule, on fonce, on va voir ce qu'on fait, j'ai une caméra. » Il appelle Michel Franco au pied levé, celui qu'on a vu dans le film à un moment. Il dit « Michel, t'es à Chamonix, tu fonces au pied de la guerre, tu nous trouves un hélico. » Je dis « C'est pas possible d'improviser un film comme ça. » Et puis ça s'est fait comme ça. Et ça, c'était un peu le système Eric aussi. Et on a fait le film dans une improvisation quasi totale, sans argent en dehors de Millet, un petit bout de la télévision suisse. Et après, les chaînes de télé sont arrivées. Alors c'est vrai qu'il y avait cette espèce de tirage de bourre entre les alpinistes, mais aussi entre les producteurs et les réalisateurs, alors qu'on se connaissait tous par cœur. Et c'était assez marrant. Ça s'est arrêté quelques mois après tout ça, heureusement. Enfin, voilà le contexte. C'était vraiment Eric tout craché, cette histoire. Mais il y avait quand même un théâtre fantastique. Et cette médiatisation, finalement, les alpinistes semblaient presque la subir. Et vous, vous n'aviez pas non plus l'impression de tirer les ficelles particulièrement. On faisait ce qu'on pouvait. Alors c'est vrai qu'il y a eu les années 83-84 jusqu'aux années 90-91, une grosse médiatisation qui est venue à la fois d'une émission comme Les Carnets de l'Aventure, qui a été une émission fantastique, qui s'arrête en 92. Mais aussi une annulation avec Ushuaïa, Nicolas Hulot, sur TF1.
ça, il y avait aussi une compétition qui nous dépassait un peu. C'était la course aux médias, aux sponsors, tous, Benoît Chaloux avait le sien, enfin, on courait après. Il y a eu quand même beaucoup de morts, pour le reconnaître. Je me souviens toujours de la mort de Bruno Bouvy, ici même, c'est 89-90. Ça m'a marqué. Et à un moment, je me suis dit, mais il faut qu'on arrête de participer à ça. Que les gens fassent de la montagne, de l'alpinisme, se mettent en danger, c'est leur choix. Que nous, avec les films, on a rajouté une couche. Et moi, j'ai arrêté après Pushing the Limit que j'ai produit. Là, c'est encore une autre aventure en 92. Et là, après, j'ai arrêté de faire ce genre de film parce que je trouvais que c'était trop dangereux. Et moi, j'avais une question à Christophe avant de passer à la partie suivante. L'Himalaya, c'est-à-dire qu'on parle pas beaucoup finalement du parcours d'Éric Escoffier en Himalaya parce qu'il a eu cette saison extraordinaire de l'été 85 et ses 3 8000 au Pakistan. Cette ascension du K2 qui semble presque avoir été abordée chez lui avec une certaine facilité, alors que chez toi, le K2, c'est quelque chose de très important dans ta vie. Est-ce qu'il t'en avait parlé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as évoqué avec lui? Justement, non. J'aurais très aimé qu'on puisse parler après. On s'est connus au Salon Mer Montagne avec Eric Loiseau quelques années après. Là, c'était complètement différent et j'aurais aimé parler de tout ça, mais je n'ai pas parlé de K2. Les autres sommets, je savais bien sûr ce qu'il avait fait, mais on n'était pas vraiment proches au début. Après, lors de ces salons, c'était différent. Et voilà. C'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, il y a des bonnes choses, des moins bonnes choses. Alors, en 89, j'ai produit un autre film avec Eric, c'était Everest Turbo. Donc l'idée, c'était encore une sorte de fou. Hein. Il y avait Tchouki, il y avait... On va faire venir Tchouki tout à l'heure, non, pas bon. Vas-y, viens, tu fais la transition. Et on voit dans ce film, à Vastur Rose, on commençait ici, on continuait dans un caisson hyperbar à Chamonix. Leur idée, c'était de faire Chamonix-l'Everest en une semaine. Donc en se préparant dans des caissons, en 4 jours, encore une folie. Mais on voit Eric, il a la patte un peu folle, il a du mal à descendre du camion au camp de base de l'Everest. Enfin, c'était en 89... Mais moi, je garderai, et puis je terminerai là-dessus pour moi, mon souvenir d'Eric, c'est un mec qui rigolait tout le temps. Le sourire permanent. Là, il rigolait pas tellement dans un film. Mais dans la vie, il rigolait tout le temps, et ça, c'était vraiment génial. Tchouki. Merci. Merci à vous deux. Merci Christophe, merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Alors, Michel Fauquet, alias Tchouki, merci. Qui me vit, qui parle ça. Non, c'est incroyable. C'est peut-être un portrait qui vit à la maison. Non. Alors, toi, tu as donc grimpé plusieurs fois avec Eric, tu l'as accompagné. Et entre autres, dans cette évocation que nous a racontée Jean-Pierre Belliste, histoire d'Everest Turbo. Ça, c'est après son accident, on y reviendra tout à l'heure. Mais quand même, c'était quoi cette histoire d'Everest Turbo, ce pari d'Everest en 15 jours ou 10 jours, avec il y avait Christine Jeannin, Stéphane Schafter, Fred Ancel. Alors, ben, Everest Turbo, c'était une idée complètement Eric Escoffier. En fait, bon, voilà, il avait ça dans la tête depuis un petit moment, on en parlait. Et puis, il a eu son accident. Bon, accident, coup de frein, problème. Mais, on va le voir à l'asto, voilà, tout de travers. Et puis, il me dit, ouais, bon, alors, reste sur moi, qu'est-ce que t'en penses et tout. Bah, je dis, bah, oui, c'est une bonne idée, mais bon, voilà, pour le moment, tu marches pas, quoi. Et il me dit, ouais, mais bon, on va essayer de le mettre sur pied et tout. Bon, je dis, écoute, pourquoi pas. Et ça, c'est parti un peu d'une boutade, on va dire, hein, parce que quand tu vois un gars qui est allongé sur son lit d'hôpital, comme tu as pu le voir, tu peux te dire, hein, il est loin du sommet de l'Everest. Et puis, ben voilà, Eric, c'est Eric, une volonté hors norme. Il est diplégie, il se remet debout, il commence à marcher, on va bien sûr, vite, on part en parapente, donc on décolle à parapente, une fois, deux fois, la troisième fois, boum, il se fait les deux chevilles. Bon, c'est pas grave, on marche à quatre pattes, c'est pas un souci. Mais on continue à monter Everest Turbo, à chercher des partenaires, et on fait un salon, notamment, où
On préparait chez lui, il était à quatre pattes. Bon, moi je m'étais fait une épaule, donc tout allait bien. Et on a fait un salon comme ça où il se prenait les pieds dans toutes les moquettes, il se cassait la figure comme ça, et on a réussi à réunir les partenaires pour monter Everest Turbo. Mais quand on a lancé l'opération, ben on était même pas capable de... Moi, mon épaule s'était réparée, mais lui, il marchait encore difficilement. Et puis, on est parti là-dessus. On était une bonne équipe, hein, heureusement, hein, parce qu'il y avait, on va dire, quelques guidos autour de lui, hein, Stéphane Schafter, Fred Lancé, qui sont des pointures de l'Himalaya et Antonin Lacorde. Et donc, on était capable d'assurer Eric, surtout dans les descentes. Dans les montées, il avait une telle condition physique, il était capable de faire la trace, même à quatre pattes. Et d'ailleurs, il a fait la trace entre le col Nord et 7-6, 7-8. Il a fait la trace parce que bon, on avait un peu doublé tout le monde et donc on était devant, il fallait faire la trace, donc j'étais là, j'en ai aussi. Voilà, on était arrivé à acclimater la grosse forme physique et puis ça, c'était parti. Bon, malheureusement, on n'est pas allé au sommet, mais ça a été une sacrée aventure parce que, et sur le Mont Blanc où on montait, on était basé à Valo, pour ceux qui connaissent le refuge Valo, on dormait là. Et puis on faisait des petits runs pour monter de Valo au sommet du Mont Blanc. Jean-Pierre Héry, qui était le tout-bib de l'époque, m'a rappelé la semaine dernière que j'avais le record Valo au sommet du Mont Blanc, on avait mis 28 minutes. C'était bien. Voilà, on avait la forme, ça allait bien et on marchait bien à l'époque. On est passé finalement assez rapidement sur cet accident. Si c'est quelque chose, parce que toi, tu as été de ceux qui ont bien connu Eric avant et pendant et après, puisque vous aviez ces projets en cours. C'est vrai qu'on lui-même avait tendance à le raconter presque avec fatalité et un petit peu de désinvolture, cet accident. Mais en réalité, c'est quand même la fin de quelque chose, quoi. Je dirais pas que c'est la fin, c'est un virage. Un virage qu'il a loupé d'ailleurs, mais. C'est un virage dans sa vie. Eric, oui, on se connaît depuis qu'on est gamin. Gamin, ouais, j'exagère, mais ouais, on a pas 18 ans. On se rencontre dans le Verdon, on se croise, il grimpe fort, je me débrouille pas trop mal. On est concurrents, on se retrouve ensemble, on grimpe ensemble, c'est avec lui, ses frères. Bon, voilà, la bande des Lyonnais, j'ai une petite accrochage avec la bande des Lyonnais. Bon, ça fait. Qui connaît tout et qui se rappelle de nos choses. On se côtoie, on se voit et ça va pas trop mal. Et puis on se retrouve tous à Cham, parce que bien évidemment, qu'est-ce que tu fais quand tu fais de la montagne et que tu te débrouilles pas trop mal, tu viens à Cham. Et à Cham, on est tous là ensemble, tant qu'à faire, on s'entraîne tous ensemble, c'est sympa. Avec Christophe, avec Boivin, avec toute la bande. Et puis, Véro faisait son break à ce moment-là, donc on ne le voyait pas trop, mais on s'entraîne. Et puis, moi, je sympathise bien avec Eric, puisqu'on fait des trucs ensemble. Alors, en montagne, chacun de son côté, souvent, mais à l'entraînement, on était tous ensemble. Et puis, alors, pour faire du parapente, ça marchait bien ensemble aussi. Donc, c'était des belles années. À côté de ça, je voudrais quand même rappeler que Eric et moi, on a lancé le groupe de performance de la FFME, donc qui s'appelle maintenant les groupes haut niveau, jeunes espoirs, je crois. Et actuellement, ça fait 25 ans que ça perdure. Et ça s'est décidé comme le reste, un soir dans son salon. Avachi dans son canapé après avoir fait je ne sais quoi et après avoir pris une grosse claque, parce qu'en fait on venait d'apprendre qu'une jolie et charmante jeune fille qui s'entraînait un peu avec nous venait de se tuer, elle s'était cassée la figure en solo dans le Gabarou Albinoni et ça nous a mis une grosse claque et on s'est dit on ne peut pas continuer à faire des trucs à droite à gauche, à faire parler des médias, enfin parler de nous dans les médias. Et attirer du monde dans la montagne, attirer des gens qui vont faire des sauts, qui vont faire des trucs extraordinaires, et certains qui vont se tuer. Donc ceux qui n'ont pas ce savoir-faire, il faut peut-être leur amener ce savoir-faire. Et de suite, on avait parlé à Frézafond, on avait parlé
Professeur Franck était président du GHM à l'époque, et il nous a dit, banco, allez-y les jeunes, faites quelque chose. Et puis on a démarré un premier groupe, et puis après, c'est la fête des carreaux préhistoire, parce qu'on était aussi au comité himalayen, et donc on a lancé l'opération à la Fédé, puisque la Fédé avait un peu plus d'argent que le GHM, et puis comme ça, ça a démarré, et puis mais après le CAF s'y est mis également, et donc maintenant on a deux groupes espoir, voilà, c'est ça. C'est des groupes espoir, non, c'est pas des groupes espoir, c'est le groupe, c'est des petits jeunes qui vont bien. Et ils sont sélectionnés chaque année, et puis voilà, et puis il y a plein de gens qui continuent à les encadrer, plein de jeunes qu'on a formés qui sont maintenant formateurs, qui sont maintenant profs avec ça, qui sont voilà. Et donc pour moi c'est une belle et grande satisfaction, et je pense que Eric peut être fier de ce que nous avons fait, parce que ça a été vraiment aussi ce côté social, parce que certes il courait sur le sommet, certes il était hors norme, certes... Tu as parlé de l'enchaînement des trois 8000, mais il ne faut pas oublier que cette année-là, il avait fait un 8A, donc qui était la difficulté maximum en rocher à l'époque, et il avait fait la trilogie. Quoi. Donc une année assez bien remplie, quoi, hein. c'est pas mal. Plus Varly Monte Carlo, certes, mais qu'il n'avait pas gagné, je crois. Hein. Ah, dans sa catégorie, il n'avait pas gagné, si. Ah bon, ouais, ok. Autant pour moi. tu as une meilleure mémoire que moi. Et donc voilà, mais donc il excellait sur le terrain, mais quand il fallait gérer un dossier, il le menait à bout, et je peux vous promettre que cette histoire, on l'a menée en 2-3 mouvements, mais ça a été efficace et ça perdure. Merci beaucoup, Tsuki, pour votre témoignage. Merci. Alors si on continue ces années 90, et avant d'en arriver à l'ascension du Shoyu, là, qui marque l'année 96, 97, pardon. Il y a quelque chose qui est important dans la carrière d'Eric, c'est la rencontre avec Jürgen Rath, alors, qui était un partenaire bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler un sponsor, ou plutôt une sorte de mécène, mais avec qui, en tous les cas, qui lui a donné les moyens, compte tenu de sa situation physique, de son état physique, de pouvoir quand même continuer à pratiquer et aller au bout de ses rêves en montagne. Donc, nous avons la chance d'avoir Jürgen Rath avec nous ce soir. Donc, si vous pouvez, vous avez la gentillesse. Alors, sa langue maternelle, c'est l'allemand. Donc, je vous demanderai d'être très indulgent. Oui, il parle bien français aussi. C'est vraiment embarrassant, ça. Oui. Merci, Jürgen. Merci. Prends place. Alors, Jürgen, je crois que tu avais rencontré Eric lors de, il me semble, d'un tournoi de tennis il y a très longtemps. Et puis. Tu l'avais retrouvé après son accident, et là, tu lui as dit, ben, vas-y, continue. Parce que tu travaillais à l'époque dans des laboratoires qui s'occupaient de programmes, par exemple, je crois, pour les diabétiques, des choses comme ça. Et toi, tu as dit, ben, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir finalement un porte-parole de ces gens qui vivent un handicap? Et Eric, vivant... Alors lui, il n'appelait pas ça un handicap, il disait juste un peu différent. Mais quand même... Et là, tu lui as dit, bah, vas-y, continue de grimper, je te soutiens. Qu'est-ce que tu voulais finalement, qu'est-ce que tu voulais faire avec lui? Quelle était l'idée? Honnêtement, d'abord, j'adore cette exagération que j'ai contribué grand-chose à quoi que ce soit, j'ai vraiment rien fait. J'ai demandé à quelqu'un... à rêver ses rêves, et ses rêves étaient un peu spéciaux parce que ça faisait d'autres rêver. Ouais. Eric était un vraiment mauvais orateur, madame. Hein. Il a fait des conférences sur la diabétique où tout le monde s'est demandé mais est-ce que j'ai une maladie vraiment. Mais quand on montrait les images, quand on racontait tout simplement l'histoire, ça a touché les gens. Il y a parmi nous, il y a un Kehart, un caméraman tchèque qui l'a accompagné presque au sommet du Choyu et qui en a fait un beau film. Ouais. Nous n'avons jamais connu le contexte familial, nous n'avons jamais vraiment touché à la vie de sa famille. Mais le sponsoring, c'est pas ça. Le sponsoring, c'est jamais une compagnie donne quelque chose pour recevoir quelque chose. Mais le sponsoring, c'est toujours une personne aider une autre à aider d'autres. Et c'est ce que Eric à la fin a fait. J'aimerais bien vous raconter une seule histoire qui, je pense, raconte l'idée du sponsoring très très bien.
Il y a, si vous prenez le temps et si vous partez un peu en montagne, j'oublie le nom de l'endroit où on a posé un petit mémorial pour Eric. Signal fort, là. Exactement. Une très très belle balade, je vous recommande d'y aller. Il y a. Ce monument a été fait par un artiste tchèque. Et on voulait mettre dans ce petit monument la belle phrase Don't let your fears stand in the way of your dreams. Ne permettez pas à la peur d'être entre vous et vos rêves. Moi, j'avais envoyé ce petit texte à l'artiste tchèque à Prague. Et quand on a volé, avec l'aide de Pascal Brun, la statue à l'endroit, on a ouvert et la petite phrase disait « Don't let your tears stand in your dreams », qui est très loin du texte original, mais qui veut dire « Laisse pas tes larmes être entre toi et tes rêves ». Et bizarrement, toutes ces deux phrases ont fait sens à la première médiatrique, et ensuite, j'espère, à ceux qui vont voir ce mémorial. Et sans Eric, il n'y aura pas cette belle histoire. Et ça, ce que les sponsors peuvent, dans le meilleur des cas, assurer, faire d'autres, révéler leurs rêves, qui après, donnent de l'inspiration aux autres. Et dans ce contexte-là, un grand merci à vous, à tout le monde qui est présent. Parce qu'en réalité, nous ne racontons pas d'Éric, naturellement, nous nous souvenons d'Éric. Mais nous nous souvenons à tout ce qui nous a touchés et qui nous touche encore à cette très belle histoire. Merci Jean-Mi. Merci Jean-Mi. Nous avons justement quelques images qui ont été tournées par Yann Kerhardt. Par Yann Kerhardt. Et on le fera intervenir juste après ces images, ce serait intéressant d'avoir son point de vue. Alors, ce sont deux interviews d'Eric. Une qui, tout d'abord, au Shoyu. Donc, Shoyu, c'est automne 97. Et vous allez le voir d'ailleurs le découvrir en train de faire la marche d'approche sur le glacier et comprendre comment ça peut être difficile pour lui de marcher sur un pierrier. Et puis, à la suite, d'autres quelques images qui ont été tournées ici à Chamonix, peu de temps dans l'hiver qui a précédé son départ vers le Broad Peak. Well, it's too difficult to for me to walk in this kind of stones and not so. It's not a big pleasure, but it's no pain. Where begins the pleasure? After? Where is it? Well, it's maybe before and after. But I think it could be inside joy and. I don't know any climber with the outside joy, and we make it his joy very, 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 very strong, as crying as we don't need to cry. We keep the energy to climb, and except the death, the joy. It's always a great pleasure to climb slowly and slowly, but to climb and to reach the top, and after to reaching the top to go down, it's like a personal pleasure. On peut laisser la vie tous les jours en allant au travail, à l'usine en bas ou ailleurs. Donc ça, c'est pas un truc valable. J'ai pas envie de... Non, on peut... Je crois qu'il y a trop de choses. Le plus grand risque de la vie, c'est de mourir. Et on sera tous obligés de passer par là. Donc il suffit d'en être conscient et... Pff, c'est...
inexorable. Une peur de mourir, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on reviendra tous au même endroit. On sera tous, un jour ou l'autre, pour les uns là-haut, pour les autres là-dessous. Mais non, peur de mourir, je crois qu'il vaut mieux profiter de la vie. Et quand tout à l'heure je parlais de la vie qui est un, quelque chose de trop sérieux à mon goût ici, trop sérieux, ça veut dire que peu de gens profitent de la vie. La vie est tellement courte que ma seule motivation, c'est d'en profiter au maximum. Et j'aime mieux en profiter tout là-haut. Tout là-haut ou ailleurs. Ça peut être en ballon, ça peut être... Mais faire ce que j'ai choisi de faire plutôt que de jouer un rôle qui ne serait pas le mien et de dire... de regarder ma montre et dire « Bon, quand est-ce qu'on s'en va ?» Eric, is this pain or is it joy? Half, half. Well, it's too difficult for me to walk. You were on the Choyu with Eric. Yes. And so, what is your idea about the film? What did you want to show to us? For us, it was interesting. We called the film If the Head is Carrying the Body. If your head is carrying the body, the thought is stronger than whatever happens to you. Vous pensez, l'esprit est toujours plus fort que ce que vous pouvez avoir. Non, je traduis pour tous ceux qui ne parlent pas forcément anglais, ce qui est mon cas. Donc ça va être dur. L'idée du film, c'était que l'esprit pouvait conduire le corps. Okay. So, you continue to translate. Yes. So, that was our approach to Eric's story. Somebody who is so strong is climbing 3,000 meters high mountains in 3 weeks, as I remember. Mm-hmm. Is correct. Donc il nous rappelle que lui était celui qui avait gravi 3,000 en 3 semaines. Yeah. En moins de 3 semaines. And then happened this horrible disaster, and he was nearly not able to speak, to talk, to walk. Et puis il est arrivé cet horrible désastre qui l'a empêché de parler, de marcher. Bref. But his head, his spirit, soul, everything was so strong that he started to talk, to move, restart, complete everything in his mind. And his mind was moving him all the time up to the next 8,000 meters. That was the sujet that was interesting for me, class. Ouais, donc il explique que son âme justement était capable, sa volonté était beaucoup plus forte, lui permettait d'aller au-delà de ses difficultés physiques. And I remember et de repartir sur des 8 000. We were 5 people, it was one physiotherapist from Paris, one marathon runner from Lyon, and one 55 years old man alone. Donc c'était ça au camp base du Choyu. Il y a un kinésithérapeute, un lion, un marathonien, et Alain Paret qui avait à l'époque l'âge honorable de 55 ans. And Mathieu Desprat. And Eric and Alain, the oldest one, and these two guys were the only ones who reached the top. Et Alain, le plus âgé de la troupe, et Eric, qui n'était pas le plus valide, et bien ils ont atteint le sommet. C'était les seuls. C'était les seuls. And I remember everybody left already the base camp, and because it was the last day of our permit, and Eric made it and came down and was pretty tired,
for sure. And, so we walked from the advanced base camp back to base camp, which was on the beginning, 2 days walk, and we walk after his descent from the top, the whole night back to the base camp. En fait, c'est le dernier jour de leur permis, dont Eric a donc dû redescendre depuis les camps successifs du Chauvion jusqu'au camp de base avancé. Et ils ont marché toute la nuit pour réussir cette sortie rapide. That was really surprising that he was so strong. He was able to do that after this climb. Ça avait surpris qu'après une ascension à 8000 mètres, Eric puisse encore faire quelque chose d'aussi difficile. Voilà. Merci. Thank you. Merci. Ce qui nous amène donc à l'année 98 et l'ascension du Broad Peak, la dernière ascension d'Eric, lors de laquelle il a disparu. Et nous avons avec nous Jean-François Lassalle, qui est donc la dernière personne à avoir vu Eric partir vers le sommet du Broad Peak. Et nous allons évoquer avec lui. Merci Jean-François. Merci Jean-François d'être là. Avec vous. Pour évoquer cette ascension du Broad Peak. Alors Jean-François, toi tu es un alpiniste, on va dire amateur, éclairé. Et tu te retrouves un jour à lire finalement une petite annonce d'un certain Eric Escoffier, que tu connais évidemment par les journaux, par les magazines. Cette annonce est parue dans un magazine, je crois, Vertical. Et Eric cherche des compagnons de cordée pour gravir un 8000 au Pakistan, le Broad Peak. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu réponds à cette annonce et c'est parti. Oui, ben, moi j'avais envie un petit peu de partir dans ces coins-là, donc j'ai vu ça un petit peu comme une opportunité. Donc j'ai contacté Eric, un peu pour voir comment les choses pouvaient se présenter, puis il m'a dit qu'effectivement, pour l'instant, si je venais avec lui, on serait que tous les deux à partir, mais que voilà, on a un petit peu discuté de logistique, de planning, etc. Bon, finalement, le courant est bien passé au téléphone, et bon, du coup, je lui ai dit que j'étais partant. Voilà. Tu as dit que tu étais partant, et finalement, vous êtes retrouvés à trois. Il y avait également avec vous donc Pascal Bessière, qui est également une jeune femme, qui elle avait déjà un petit palmarès himalayen, parce que je crois qu'elle avait réaliser quelques ascensions au moins de 7000 mètres avec des guides, ou en tout cas dans des opérations commerciales assez traditionnelles à l'époque. Oui, c'est ça, ouais. Puis on avait même fait partie, un petit peu de la même expédition. On s'était répartis sur deux sommets, donc on n'était pas sur le même sommet, mais je l'avais un petit peu côtoyé, notamment au camp de base, pendant toute l'approche. Et en fait, elle a su que je partais, c'est elle qui a pris contact, parce qu'elle a su par d'autres amis que je partais avec Eric. D'accord. Donc je lui ai dit de rappeler Eric, comme c'est lui qui dirigeait les opérations, et puis bon. Et voilà, vous êtes partis donc tous les trois. Tous les trois. Et à ce moment-là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que tu as vu que donc c'était un peu compliqué pour Eric, quand même, les marches d'approche. Et est-ce que tu t'es posé des questions? Est-ce que c'était naturel? Bon, ben disons que moi je connaissais, enfin je savais ce qui lui était arrivé, mais je savais aussi qu'il avait repris la route des sommets, par des voies techniquement plus faciles. On va dire qu'il a quand même réussi, après son accident, voilà. Le Shoyu, bien sûr, à 8000 mètres, le Kilimanjaro, la Concagua, l'Elbrouz, bref, quand même qu'il a joué des palmarès. Et McKinley, bien sûr. Donc je savais à peu près ce qu'il avait fait, voilà, très récemment, peut-être qu'il a peut-être fait ça sur un an ou deux, maxi, je crois. Donc je me suis dit, voilà. Pas de soucis par rapport à ça. Et sur le terrain, il m'a fait part un peu de problèmes qu'il avait, le côté gauche répondait pas, etc. Mais bon, au niveau conditions physiques, en tout cas, il avançait très bien. Donc, ça, c'est l'approche, il n'y a pas de soucis. Bon. Et ce moment, alors, l'acclimatation se fait, vous arrivez au camp de base, et il y a ce moment où il y a la question du sommet qui se pose. Est-ce que vous pouvez faire le sommet? Est-ce qu'on... Bon, ça, on le découvre dans le livre dans le texte de Jean-Mi, mais Eric, à ce moment-là, a changé de vie, il a une nouvelle compagne, et en tous les cas, quand on lit ses carnets, puisque Jean-Mi a pu avoir accès à tous ses carnets pour écrire la biographie,
on sent quand même, quand on lit ses carnets, qu'il ne pense qu'au retour. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette pensée de retour très forte chez lui. Est-ce que ça, tu l'as senti? Je l'avais un peu senti quand il avait donné un peu le planning pour le road peak. C'était un créneau en temps qui était assez bref, quoi, en fait. Donc il voulait ensuite repartir, je crois que c'était fin août, sur le Dodo Laguiri. Et puis donc après, il voulait revenir passer du temps en famille. Donc pour lui, plus on faisait le sommet rapidement, mieux c'était, quoi. Voilà. Au début, j'avais un peu dit, mais c'est peut-être un peu court, si jamais il y a du mauvais temps, tout ça. Bon, finalement, on est quand même parti là-dessus. Et puis au début, ça se passait pas si mal. On a fait une phase d'acclimatation. On a fait un aller-retour ou deux sur la montagne. Et puis après, on a décidé de partir. Voilà, il y a ce fameux départ où vous décidez finalement de vous alléger au maximum et d'aller faire un direct du sommet. Votre tentative sommitale, vous la faites d'assez bas. Ouais, parce qu'en fait, on a voulu faire une tentative en respectant les camps normalement, mais au camp 1, on a été bloqué, je sais plus, c'était un jour ou deux. Donc déjà, on a perdu du temps, puis on a perdu aussi des réserves de nourriture, des réserves de gaz. Donc après, on était un peu juste pour aller au sommet. Donc on s'est dit, si les conditions restent bonnes, enfin, c'était revenu au beau, donc si les conditions sont bonnes, on aura sûrement assez pour aller au sommet et redescendre assez vite. Mmh. Et puis finalement, voilà, c'est pour ça qu'on a tenté. Mais à un moment donné, on a été rebloqué entre le camp 2 et le camp 3, on a été rebloqué par le mauvais temps. Mmh. Et là, on a décidé finalement de faire un camp intermédiaire. Voilà. On a fait un camp intermédiaire, on est repassé encore une nuit. Le lendemain, on a voulu repartir, mais bon, il faisait froid, il faisait pas très beau encore. Donc on a à nouveau temporisé, donc après, on n'avait plus le choix. Soit il fallait redescendre au camp de base pour se récupérer un peu, puis reprendre de la nourriture, du gaz. Soit il fallait tenter, donc ça faisait 1500 mètres de dénivelé. On s'est dit, bon, on tente, on verra. Et, puis, et là, ça ne s'est pas passé exactement comme vous le souhaitiez. C'est-à-dire qu'à un moment, vous avanciez très bien, et puis plus vous approchiez de ce fameux petit col qui est aux alentours de 7008, quelque chose comme ça, 7007, là ça c'est un peu compliqué. La neige était très profonde, il n'y avait pas de traces. Les Polonais qui étaient dans une expé avec vous n'étaient pas partis, donc vous ne bénéficiez pas de cette cordée qui aurait pu vous précéder. Et donc faire de la trace. Et là, vous avez discuté un peu tous les trois. Comment c'était? Quelle teneur? Au début, la discussion avait commencé quand on a rejoint les Polonais à 7004. Mmh. On avait dû partir de 6005 environ. Et puis, donc on avait mis peut-être 4h30 pour faire 900 mètres. Donc là, on avait le moral. Et puis, on est arrivé au camp avec les Polonais. Et puis, un des Polonais. Richek Pavlovski nous a dit c'est encore long à partir d'ici. Lui, il avait fait le sommet une vingtaine d'années avant. Mmh. Et il avait mis 6 heures, je crois, pour faire l'aller-retour sur l'arête. Mmh. Et nous, on avait pensé que c'était quand même plus rapide. On voyait plutôt ça du style une heure aller, une heure retour. Donc on s'est dit, ça va être vraiment pareil. Et après, on est parti au-dessus du camp quand même, en se disant, on tente quand même, on monte vers le col, on verra. Et là, effectivement, la neige était profonde. Et là, les 300 mètres suivants, on a mis 6 heures. Voilà. Et c'est là qu'on s'est mis à discuter en début d'après-midi, en disant, moi je trouvais que c'était tard, on commençait à être fatigué, qu'on n'aurait jamais le créneau pour monter sur l'arête, surtout qu'en plus, on nous avait dit un peu plus bas que c'était long. Donc, du coup, Eric s'était un peu d'accord. Et en fait, Pascal nous a dit non, mais on peut quand même continuer jusqu'au col. Enfin, elle a insisté quand même pour qu'on continue. Au début, on s'est laissé convaincre, on a poursuivi. Mais bon, comme ça avançait pas plus vite, à un moment, j'ai dit que je redescendais. Et puis finalement, Pascal a proposé à Eric de s'encorder avec elle. Parce qu'en fait, au début, j'étais toujours encordé avec Eric. Et Pascal marchait à côté. Voilà. Mmh. Enfin, à côté, derrière, devant, peu importe. Est-ce que tu l'aidais dans sa progression? Alors, je l'aidais dans certaines traverses. Hein. On traversait sur son bon côté, je me souviens, donc son côté droit.
Et quand on devait faire des traversées à gauche, je l'assurais en fait, pour ces passages-là, pour pouvoir, parce qu'il y avait le côté gauche qui était, son handicap gérait beaucoup le côté gauche. Quoi. Donc on avait mis un peu ça au point, puis les descentes, je l'assurais. Voilà. Et Pascal était à côté, et puis on avait convenu que si jamais elle ne se sentait pas, on ferait une cordée à trois, on tirait les longueurs. Quoi. Ce qui est très normal en Himalaya, effectivement, de procéder comme ça. Et bilan des courses, toi tu es redescendu donc au camp des Polonais. Alors je suis redescendu. Pour continuer. Oui, eux vont continuer. Et tu ne les as pas revus. Alors en fait, le soir même, parce que je suis redescendu que à 7004, où il y avait une tente abandonnée en fait, qui avait été abandonnée d'une expé d'année d'avant. Donc j'avais rien, j'avais pas de matériel pour bivouaquer, mais bon. Les Polonais étaient là dans leur tente. Eux aussi étaient à court de vivre. Je pense qu'il y a eu un peu les mêmes problèmes que nous avec cette progression qui avait été ralentie. Et puis, donc je les ai vus longtemps monter jusqu'au col. Et c'est vrai que je crois qu'ils sont arrivés à la nuit ou même après la nuit, parce que à la nuit, je les voyais encore. Voilà. Et là, donc, ils ont visiblement creusé un trou dans la neige pour bivouaquer. Ça, c'est le témoignage des Polonais, qui ont démarré le lendemain vers 4h du matin, qui ont rejoint le col, en fait, dans les traces d'Éric et Pascal. Et ils les ont même vus, à un moment, essayer de progresser vers le sommet, il devait être 10h du matin. Et puis, quand ils sont arrivés sur l'arête au niveau du col, ils les ont plus vus. Et pour eux, ils auraient pu encore les voir à ce moment-là. C'est pour ça qu'ils étaient inquiets. Et c'est là qu'ils ont vu un trou de neige qu'avait creusé Éric et Pascal, quand c'est la nuit. Voilà. C'est comme ça qu'on a su. Ah, évidemment. Et une nuit qu'on imagine difficile à cette altitude-là. Et la décision de repartir le lendemain paraît quand même surprenante. Oui, alors après, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça sur le moment, j'ai pensé en lisant le livre, à un moment où il évoque, comme les Polonais arrivaient derrière, ils ont dû penser que. Avec l'apport des Polonais qui pouvaient reprendre la trace, ça pourrait peut-être faire encore pour ouais, ouais, effectivement, c'est... moi je l'avais pas vu comme ça sur le moment, quand j'étais dans la situation. C'est probable. Jean-François, tu repenses souvent, toi, à ce moment-là, c'est quelque chose qui te... Depuis, ça fait 17 ans maintenant, auquel tu penses souvent. Ça revient de temps en temps, effectivement. C'est un moment qui va forcément revenir. C'est souvent. Et je revois aussi pas mal Vincent, parce qu'on est voisins finalement. On s'est rencontrés par hasard après. Donc, et Vincent Escoffier, le frère d'Éric. Ouais, le frère d'Éric. Donc du coup, voilà, je pense que c'est forcément ces choses. Eh bien merci beaucoup. Merci Jean-François pour ton témoignage. Nous arrivons quasiment au terme de la soirée. Nous ne l'avions pas fait à Grenoble, et là on s'est dit qu'on aimerait bien faire venir les trois enfants d'Éric, s'ils sont d'accord. C'est toi qui a Marie, Kevin et Lila. Parce qu'il faut dire qu'à Grenoble, le livre venait juste de sortir quelques jours avant, maintenant ça fait 2 mois, et on imagine que peut-être ils l'ont lu, et on aimerait savoir voilà, comment, quel est leur retour un peu sur ce... Attention hein. Dans l'ordre que vous voulez. Alors Marine, comme tu veux. Oui. Moi, je suis celle du milieu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Alors la question, c'était, est-ce que tu as lu le livre et voilà, comment, qu'est-ce que tu as pensé de ce regard sur ton père? Est-ce que ça t'a appris beaucoup de choses? Ben, j'ai lu le livre, j'ai découvert des choses parce que j'étais petite quand papa a eu tous ses exploits, fait tous ses sommets. Et j'ai retrouvé papa à la fin du livre en fait. Quand nous on était plus grands avec Kevin et qu'on partageait plus de moments avec. Voilà. Et justement cette partie exploit des années donc plus vieux, fin des années 80, c'est quelque chose dont tu avais conscience, le fait que à ce moment-là ton père était vraiment une sorte de vedette au niveau presque national. C'est quelque chose dont tu avais conscience ou pas? Je pense que Kevin sera d'accord avec moi, on n'avait pas du tout conscience de ça. Même plus grand, quand il partait pour des sommets, pour nous c'était... il part, tout à l'heure,
on se reverra aux prochaines vacances, et puis voilà. C'est vrai qu'on le voyait peu souvent, on le voyait que pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai que des fois, on n'était même pas au courant qu'il partait, mais on recevait une carte postale. Non, c'était normal. Kevin, à peu près la même question. Eh bien, concernant le livre, c'est exactement pareil que Marine. Tout le début, ça parle d'une période, à la limite, il a mon âge et il fait des choses, des exploits. Moi, ça plus tard, quoi. On a découvert ça plus tard, en tout cas. Et après, je le retrouve sur la fin du livre où avec nos petites années, on a vécu avec lui. C'est pareil pour les deux films. Le premier, c'est un jeune de mon âge et le deuxième, c'est mon père, quoi. Le deuxième est assez... beaucoup d'émotions, quoi. Et puis après, si j'avais conscience, pas vraiment. On bénéficiait juste d'un petit traitement de faveur. C'était de pouvoir partir de l'école, quand on avait décidé... Akabi, Festival du Vent. Parce que trouvé qu'il avait du temps pour nous et puis que c'était là et puis pas autrement. Donc on quittait l'école et puis voilà, on profitait de ça. On rencontrait des tas de gens, on savait pas qui c'était, bonjour, ça va, très bien. Et on les recroise maintenant, ils nous disent on t'a vu comme ça. Génial. Merci beaucoup, Kevin. Et là, alors, toi, tu as découvert quelque chose ou ta maman t'a suffisamment raconté ce beau personnage? Alors, moi, je vais dire que je n'ai pas fini de lire. Ah. Je l'ai feuilleté, et rien que déjà dans ce que j'ai lu, j'apprends toujours. Je connaissais déjà quelques anecdotes racontées par Cécile. Mais vraiment, oui, je découvre la vie de A à Z. C'est tout nouveau. Et ça rejoint un peu l'idée que tu te faisais de ton papa ou c'est un peu une surprise? C'est tout, il y a de l'ance. Enfin, je me dis, oui, c'est vrai, il était comme ça, et en même temps, il est passé, il était ah bon. Bon, ben merci. Merci en tout cas. Merci à vous pour le témoignage. Sympa avec vous. Merci. Moi, je dois surtout remercier, encore une fois, énormément, je le fais dans le livre, bien sûr, mais je ne le dirai jamais assez, Cécile, qui m'a donné accès à moult informations, des carnets, des enregistrements, etc., qui m'ont permis de réaliser ce livre. Et je rappelle qu'elle-même a fait un livre de témoignages qui est remarquable, et je vous conseille de lire également. Ça vous fait deux histoires, voilà, c'est pas mal du tout. Donc ce livre, il s'appelle « Rien n'est impossible ». Voilà, « Rien n'est impossible ». Et on y trouve des témoignages, encore une fois, vraiment formidables. Merci Cécile, merci à tous ceux qui... Voilà. Effectivement, on va conclure là-dessus. C'est vrai que nous, aux éditions, l'envie d'écrire ce livre est née aussi de la rencontre avec Cécile au départ. En sachant qu'on veut continuer vraiment à offrir des biographies de ces grands alpinistes. Alors forcément, il y a 20 ans, quand Michel Guérin a créé la maison, parce que ça fait 20 ans cette année, l'occasion de faire un petit clin d'œil d'anniversaire et un petit clin d'œil à Michel, il a commencé avec des biographies de grands alpinistes des années 50, des années 60. Aujourd'hui, ce sont des grands alpinistes des années 80 ou 90. Et finalement, c'est le même travail de transmettre une culture de la montagne et puis de reparler de ces gens qui nous ont tellement fait rêver. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais juste ajouter que pour les jeunes gens, les jeunes alpinistes qui aujourd'hui font toutes ces belles choses en montagne, je crois que c'est très important de connaître l'histoire, c'est très important de connaître ceux qui les ont précédés. Quand ils enchaînent les montagnes, il faut qu'ils sachent qu'il y en a d'autres qui l'ont fait à leur tour. Quand ils vont très vite en montagne, il y en a d'autres qui sont allés très vite en montagne. Et c'est parce que l'on connaît le passé qu'on peut justement se projeter dans le futur et se projeter bien dans le futur. Donc oui, il faut comprendre l'histoire de la montagne, il faut découvrir ceux qui l'ont écrit, et ceux qui l'ont écrit, c'était dans les années 80, Perrault, Escoffier, Coivin, Profi, bref, ceux qui sont encore là, ceux qui ne sont plus là, et vraiment, encore une fois, je les remercie beaucoup. Merci à vous.
prochaine, tout l'été, nous avons un programme de rencontres, mais qui vont se dérouler à la librairie, ou peut-être certaines également chez M. Manoukian, parce qu'il y a un bel espace aussi là-bas dont on peut profiter pour faire des signatures. Et si vous voulez le programme, je crois que Lorraine a un programme à votre disposition, mais je crois que d'ici 10 jours, les premières rencontres commencent à la librairie Guérin, pas loin. Merci, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Oui, oui, oui.